avis à la population. Je signale que l'Abibac, c'est génial. Vous pensez à Abibac? Vous pensez aux Jeux Olympiques? Ensemble? Non? Venez, je vais vous prouver le contraire. Bonjour à tous, je suis maintenant en présence de Noéline. Noéline, comment allez-vous? Je vais bien, merci beaucoup. On a une petite question pour vous. Qu'est-ce que l'Abibac, ça représente pour vous? Eh bien, pour moi, l'Abibac, c'est l'entraide et l'amitié. C'est-à-dire, ce sont des qualités importantes que nous devons tous partager. Et c'est comme ça aussi qu'on fait dans les sports collectifs. Je vais vous montrer d'ailleurs un exemple avec Gauthier, ici présent. Je m'appelle Pierre, je suis un Abibac. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ce concours, le cyclisme. Alors pourquoi vous allez me demander? Parce que je trouve que certaines des valeurs et certaines façons de faire sont très semblables à l'Abibac. Je vous donne un exemple. Quand on pédale, par exemple, on donne beaucoup d'énergie au vélo et donc on peut progresser plus loin sur la route. En Abibac, c'est un peu la même chose. Plus on travaille et plus on progresse dans la langue. Let's get. Alors, la section Abibac, ça représente aussi le dépassement de soi. Je vais vous montrer. Vous savez, l'Abibac, c'est l'excellence aussi. Un peu comme l'escrime. Pour moi, l'Abibac, ça peut représenter le rugby parce qu'il faut combattre l'adversité. Au final, comme les JO, l'Abibac, c'est le respect, l'amitié et l'excellence.